Non, tu dois pas faire ça. Il fallait m'attendre. Une minute là. Hein. Maman, Niki, ta masse. Ça va? D'accord. C'est pour quoi? Attendez, hein. Non, Fadima. Non, Fadima. Non. Bien. Nettoie ça complètement pour moi. Quoi ça? Ça là. C'est moi qui a mis là-bas. Les plaies qui se trouvent ici comme ça là. C'est pour qui? C'est pour moi. C'est pas pour toi? Oui. Donc tu dois l'enlever. J'enlève pas. T'es là, voilà, Yende. Non, Fadima. Toi aussi, tu peux enlever ça. Ni moi ni moi, son madame n'a fait là. Voilà, monsieur Keta. Je vous le jure. Si tu n'enlèves pas ça là ici, tout de suite là. Non, Fadima. Tu as vu? C'est tous les jours tu es comme ça aujourd'hui. Une table m'a dit. Enlève ça. Je dis, j'enlève pas cette caca là, j'enlève pas. Enlève. Je dis, j'enlève pas. Enlève ça. Alors, laisse-moi. Non, Fadima. Qu'est-ce que tu veux ici? Il va me voir. Tu verras ça, Inch'Allah. Tu verras ça. Mais rien. Hein? Non, Fadima. Puis tu me visites ce matin, c'est pas bon pour toi. Ça, je te le dis. Hein? C'est qui t'es? J'en ai marre de te voir chez moi aujourd'hui. Foro. Foro. Il est mort, la fille. Dans la dame, il se voit Kassani. Il entend de m'insulter, tu n'entends pas? Il dit ça va le signer. Si tu n'entends pas, tu l'as ma voix barre bien. N'est-ce pas? Il est allé, porte la cagne. Attendez, porte la cagne, porte la cagne. Quand je viens le soir, tu verras ça, Inch'Allah. Il va pas rester ici. Allah, faut bien que je signe. D'accord, quoi? Il est où? N'est-ce pas? Vamos, t'es dans la cagne. Inch'Allah, quand tu rentres le soir, tu vas me connaître qui je suis. D'accord, je t'aime, mais tu sais que je ne vois pas. Ah, il est pas là. Mamadou, Mamadou, oui, s'il te plaît, mon fils. Ah, ça va? Oui, tu es déjà là? Oui, ça va? Ça va un peu? Oui, ça va? Ça va très bien. Tu as l'argent là? Quel argent, papa? 200 000 là. Ce que je t'avais remis hier, oui, oui. Vers le soir. Oui. Bon, je veux que tu m'envoies ça. Je dois partir au port pour aller faire sortir les marchandises. Papa, mais on a fait sortir les marchandises hier, non? Mais, Mamadou, qu'est-ce que tu te prends? Qu'est-ce que si tu dis marchandises, pourtant on a délivré toutes les marchandises hier. Marchandises, ce qui est là-bas, ça c'est pas pour nous. Ça c'est pour mon ami qui est à Cancan. C'est ça que tu veux de lui. Voilà, voilà ce que je veux. Il faut faire vite que tu me remets l'argent. D'accord. Ok, ok. Je descends là-bas. D'accord.
bien. Ça va, merci. Et mon mari? Ça va bien. Heidi, ça va maintenant? Sina, même ce matin-là, on a fait le bagarre. Hein? Hey, Keta? Vraiment. N'est-ce qu'on aura fini? Sina, mais les hankis de soron. Ah, mais Keta m'a hankis de soron, les hankis de soron. Parce qu'il y a des hankis de soron. Di bara hankiri so ni ka fo ko lo lo ele ni ke so nko le ka lo mais c'est pas moi non et ke ta fo le ele ta fo la si na c'est pas moi et toi même tu connais ke ta hein connais c'est quoi si il sort c'est le bagarre si il rentre c'est le bagarre tout le monde sait ça tu as vu toi nous on est décourager maintenant même on court sera elle aussi elle parle il a parlé mais elle ne peut pas se comprendre monsieur ke ta quand il sort le matin il rentre à 1h du matin, à 2h du matin. Allah. Il a deux femmes. Et c'est ça, c'est bon ça. C'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Allez, les dîner là. Allez, les dîner. Comment nous on va faire? Ouais. On sait plus maintenant. Hein? Sabari. Tout le temps, c'est comme ça. Hein? Et c'est ça, c'est bon ça. C'est pas bon. Un père de famille. Tu sors le matin jusqu'à 1h. 2h. Hein? Vraiment. C'est pas bon. Vraiment. Fais. Elle a les dîner là. Aïe, ça barre. Aïe, dîner. Aïe, dîner, nini. Ah, ouais, c'est soir, hein. Aujourd'hui matin, ton ami est venu, il est venu me retirer 200 000 francs. 200 000, pourquoi? 200 000. Le matin bonheur là, qu'il va sortir le colis au port. Pourtant, il n'y a aucun colis maintenant au port. C'est moi qui fais toute la démarche. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Or, papa a oublié que le travail qu'on fait, c'est la société qui nous a donné la confiance. Vraiment. C'est la société, le société, si le société te donne la confiance, c'est-à-dire... Oh, si tu n'es pas pu gérer, le jour qu'il va retirer le marchandise, ça c'est une souffrance pour nous. Ça c'est grave. Donc vraiment, dites à mon père, soyez très prudent. Soyez très prudent. Parce que ce que je vois, et s'il continue comme ça, on va manquer de confiance. Vraiment. Et s'il n'y a plus de confiance, vraiment, on ne peut pas. Eh Ouma, voyez. Il mange l'argent comme l'arachide. Bon, voyez. Je ne sais même pas maintenant comment lui parler. Tu sais ce qu'il est, hein? C'est entendu. Hein? D'accord, toi. Entendu. Tu vois, moi, je t'informe seulement parce que le jour viendra. Et pourquoi tu ne m'as pas informé? Parce que la société, quand il donne confiance de te donner des grandes marchandises comme ça, il faut bien gérer. Il faut bien gérer. Mais si tu ne gères pas, pour prendre l'argent pour gaspiller. Hein? Le malheur vient justement, mais comme tu es le premier fils, il faut gérer. Tu non, comprends? Non, moi je jure. Je jure très bien, même si mon père n'a pas pu gérer. Et si mon père, est-ce que je peux m'imposer? Non, tu ne sais pas. Alors, c'est là-bas. D'accord, c'est compris. Okay. Tu comptes dans l'affaire, hein? Ok. Hein? D'accord, papa. Ok, merci beaucoup. Bon, ce soir, hein? Oui. D'accord. Bonne journée. Je ne dois pas manger aujourd'hui. Ah, si je ne dois pas manger aujourd'hui, dis-moi ça. Tu savais là de l'attaque que je suis. Sukuntanta, Namraba. Attends-moi,
sé que la femme respecte ton mari. Ça c'est un toi. Tu ne respectes pas ton mari. Je n'ai pas seul. Je paye pour moi et mes enfants, mais je dois gagner le loss, non? Moi, le problème de l'os là, ça me fatigue maintenant. Pardon, je t'en prie. Mais non, vraiment, je suis fatigué maintenant. Non, vraiment, je ne gagne pas mon loss. Je ne gagne pas mon loss. Comment je vais gagner le loss là? Hein? J'ai payé ça pour moi. Tu as payé ça pour toi, je sais que. Mais tu as des familles ici, non? Quelle famille? Hein? Elle est ma dernière. Ah, l'enfant que j'ai gagné, ça peut prendre tous les loss là. Bonsoir. Ah, bonsoir. Non. Je n'ai pas la parole maintenant. Je suis fatigué. Est-ce qu'il y a de l'os ici? Ah, mon. Couleur, non? Voilà. Il n'y a pas de l'os? L'os. Il faut comment bon l'os? Encore ça. Écoute-moi ce que je vais te dire maintenant. Tu as compris? Il faut dire à ton mari. Il n'a qu'à prendre le marmite maintenant. Il n'a qu'à préparer. Nous, on va manger. Il faut que tu te prépares. Même toi, moi je vais laisser à merde, tu vas préparer, nous on va manger. Tu vas connaître la coco meilleur. Je peux. Tu es malade ou bien tu es fou? J'ai dit tu es malade ou bien tu es fou? Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Mais qu'est-ce que je fais? Ce que tu as fait, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ramasses la fille dans la rue, tu t'amènes ici. Ou bien tu m'as pas. Ah, il m'a y a signé. Tu crois que ici c'est le pagaille? Eh, quant à toi, sors. Sors ici. Ici, c'est pas le pagaille, hein? Ça, c'est tout dit. Mais pour dire, on est quand sortis ensemble. Ça, c'est ton problème, ça. Et puis, t'es mal là, hein? Imbécile, qu'est-ce que tu es? Il faut qu'il va dire nous quoi? Hein? Non, pas de moi. Il y a là, il y a pas très assez. Il va dire nous quoi? C'est pas lui, c'est ton mari qui a fait ça. Soit tu fais pour le bien, toi, il y a un peu de temps. Encore, ça va être un peu de temps. Il y a 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 un peu de temps. Tout ce que vous êtes en train de parler ici, je ne parle pas. C'est ce que j'ai à vous dire. Faites votre parole. Mais mon nom ne fait pas partie de ça. Quittez-vous, commencez le matin jusqu'à le soir, mangez. Et je ne vais rien dire. Mais à partir de ce jour-là, je vais prendre mon disposition. Non, mais il y a un bras de dame. Un père de famille prend pas sans loi, sauf à zéro. Ah, famille. Toi, tu rentres ici à 2h du matin, 3h du matin. Même si je rentre à 3h du matin, hein? C'est mon loi. Nous, on est foutus. Dès que tu es foutu, si tu es foutu, tu es foutu. Mes enfants n'ont pas foutu. Je dis, c'est toi qui es foutu, mon homme. En tout cas, à partir de ce jour, je prends mes dispositions maintenant. Un père de famille comme ça, là, toi, tu ne prends pas tes lois sauf à 0h. Tu n'as même pas honte. Même vraiment. Tu n'as même pas honte de dire ça. Cesse de m'insulter maintenant. Combien de gosses tu as fait? Hein? J'ai fait 10 gosses. Mais cela ne fait rien. Toi, tu ne peux pas éduquer tes enfants. Je peux rien dire maintenant. Moi, mes enfants sont bien éduqués. Ce que tu as fait la fois dernière. J'ai dit tu es poro. Parce que tu n'as pas de respect. Moi, poro.
Moi, Poro. C'est toi qui? L'avenir de tes enfants, Poro. L'avenir de tes enfants, Poro. Poro. L'avenir de tes enfants, c'est Poro. C'est Poro. Mets tout le sur un chandon. Mon ami Oumar, oui, nous sommes ensemble. Il faudra vraiment qu'on soit doué ou la doux qu'on a à la démaillade. Alala, alala, obara, obara, kachanga, les moussons, quand nous l'aider, les calatangues, ils l'offrent, ils l'offrent, ils l'offrent, ils l'offrent, ils l'offrent, ils Je suis allé parler. Seulement mon ami, il est difficile. Il est difficile. Je vais lui parler. Mais il ne faut pas dire qu'on est égal. Nous sommes des amis, bien sûr, mais on n'est pas du même comportement. Tu comprends? Bon, j'ai compris. Je vais lui dire. Mademoiselle, ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Un peu. Où tu vas comme ça? Marché. Au marché? Oui. Je peux t'accompagner, chérie? Pourquoi? Attends. Ah, viens, s'il te plaît. Non, j'ai dit pourquoi? Mais viens. Mais laisse-moi là-bas. Moi? Oui. Non, vraiment, tu es malade ou bien quoi? Regarde un vieux comme ça là. Écoute-moi. Tu vas me faire les femmes qui sont en train de se faire. Je n'aime pas ça, hein? Si tu m'as dit ça prochainement, je vais te souffler mal. Regarde là. La mienne là est jolie. Oh, cool. Mais toi là, je ne te laisse là. Il se moque de moi comme ça. Mais je te répondrai à toi là. Oui, c'est ce qu'il y a. Ah. Je suis venu sérieusement aujourd'hui de te parler. De me parler? Oui. Oui, je t'écoute. Tes deux femmes m'ont dit de te parler. Et je t'ai dit plusieurs fois de changer ton comportement. À chaque nuit, toi tu viens de 2h à 3h du matin. Ça, c'est pas bon. Mais dis donc. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes sages. Et puis nous avons des enfants qui sont grandis maintenant. Ce que les enfants font, il ne faut pas que nous on fasse ça. Si on fait, ce n'est pas bon pour nous. De marcher tout moment, suivre les femmes, pardon de cesser. Cesser. Tu sais que j'étais plusieurs fois de dire ça. D'accord. Il faut changer ton comportement maintenant. Ok, j'écoute. J'ai entendu. Notre enfants sont devenus grands. Oui. Ce qu'il fait aujourd'hui, si nous on fait ça, c'est pas bon pour nous. D'accord. J'ai tout compris. Ma femme m'a dit que de te parler. Elle est toujours jalouse. C'est pas la chose. Et puis mes deux femmes là, vraiment, ils ne sont pas civilisés. C'est pourquoi des fois, moi aussi, je suis obligé de sortir pour aller me débrouiller ailleurs. Non, il ne faut pas faire ça. Ah, mais dis donc, comment?
Ils ne savent pas s'habiller très bien. Je paye des habits pour lui, des chaussures, tout et tout. Mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Aujourd'hui, tu as l'argent. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Si tu fais ça, les enfants... Et puis, avec laissons tomber tout ça. Moi, l'argent que j'ai cherché, ce n'est pas pour un autre. C'est pour ma vie propre. Mais ce n'est pas pour, pour gaspiller. Allons-y, je vais aller te déposer. Ce n'est pas pour gaspiller. Et puis, tu donnes l'argent. Tu es venu à cause de l'argent, non? Non, non. Il faut que je te donne 200 000. Tu t'en vas et tu me laisses. Non, ce n'est pas, aujourd'hui, c'est pas à cause de ça. Ça va? Où tu vas? C'est comme ça que tu vas? Hein? Je t'avais dit combien de fois? D'habiller mon modèle là, je n'aime pas. Allez, va te changer. Je dis, va te changer. Tu sais, maman, c'est devant parce que je l'avais rencontré avec. Tu avais bien vu. Alors, pourquoi tu n'es pas ici? C'est la faute de tous. D'abord, maman, parlez, Papa, Mamoudou, oui, Papa, Mamoudou, tu es fou? La vie? Tu es fou? Papa, papa. Mais comment c'est un enfant? Laissez-lui, il n'a qu'à s'habiller comme il veut. Non, 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 papa. Maman, non, 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 papa, je ne suis pas d'accord dans ça. Ah ouais, c'est mon fils. Ah, mais c'est ma soeur aussi, papa. Tant pis pour toi. C'est mon fils. Ah, alors là. Et puis, c'est que je veux pas. Papa, papa. Papa, vraiment, je n'aime pas. Habille-toi comme non, 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 je ne suis pas d'accord. Habille-toi comme tu voudras. Habille-toi comme tu voudras. Il est Thomas, c'est un enfant, il doit s'habiller comme il voudra. D'accord, papa. C'est ça, c'est clair. Tu m'entends? Papa, papa, moi je crois que tu me laisses à diriger ma tête. Quel dirigement? Ici, c'est mon foyer. Si tu es prêt à prendre quelque chose, il n'a pas arrivé d'abord. C'est moi qui commande ici. Non, Thomas, va là où tu veux. Rapidement. Allah, tu vas. Va. Non, maman. Va. C'est que t'as ce que tu es en train de faire, ça, c'est pas bon. Au revoir. Non, maman. Et tu rentres tant que tu veux. Ah ouais. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. C'est ta maman. Mais Inch'Allah, summa Inch'Allah. Non, Fadma, un jour viendra, je vais te répondre. J'ai sciemment dit ça. Mais tu vas récolter. Quant à toi, quant à toi, quant à toi. Je t'avais dit ça. Parce que tu connais ton père. Non, maman, moi j'ai tout compris. Mais le problème, c'est quoi? Moi, je vais quitter le foyer là. Parce que ça, ça ne fait pas aller comme ça. Parce que là où mon père vivait là, ça dit, non, quand on en donne une à l'élément. Donc, si je laisse le foyer là, tranquillement d'aller, je vais. Non, je suis obligé d'aller prendre location. Parce que moi, je ne peux pas accepter le choses pareilles. On n'est pas arrivé dans ça. Non, mais... je te le jure, non, maman. Non, 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 non. Ah, il maman, est pas voyagé à quel âge. Quand tu quittes, c'est quoi, comment maman. Mais si papa veut pas que. Si papa veut pas que je dirige mes sœurs et mes frères, qu'est-ce que je fais? Hein? Hein? Je ne sais plus, maintenant. Mais c'est honteux. Quand on voit une jeune fille comme ça, sort comme ça, il s'habille comme un bandit guiné. Ça peut pas aller comme ça. Hein? Oh, ça va comme ça. Ah. Ça va comme ça. On va petit à petit. Mais moi, je laisse aux constructions complètement. Je vais prendre une location ailleurs. Mmh. Ah oui, c'est ça. On a pas. Mais papa a dit devant toi qu'il n'est pas encore mère. Ah, Allah. Je laisse ma sœur montrer maintenant jusqu'en haut. Laisse ton père. Toi-même, tu sais qu'il est comme ça. Non, moi, je l'ai laissé. Mais tu sais comme ça, là. Dans mon foyer, je suis comme ça, go. Hey. Je suis et je ne quitterai pas là-bas. Qui tu es? Si tu es homme, va construire une autre maison. Pour toi, ici c'est sur moi. Ici c'est sur moi. Hein. Hey, ça, je te le dis. Oulibar, lève-toi. Va là où tu veux. Papa, papa, pardonne-moi. Je ne veux plus. En tout cas, c'est mon père qui a construit ici. Hein? Moi, c'est mon père qui a construit. Je suis chez mon père, non? En tout cas. Je suis chez mon père. Là, c'est son papa. Voilà, je suis chez mon papa. Et puis, c'est pas un bâtard.
Ça, je te dis. Ah voilà, maman, pour la vie. C'est pas un bâtard. C'est toi qui connais ça. C'est toi qui connais ça. Il n'a qu'à se retirer et retirer les enfants. Si Mahmoud est en train d'éduquer ses jeunes sœurs là, il n'a qu'à retirer complètement. Pourquoi il se met là-dedans? Ah, moi je ne sais pas. Hein? Le jour qu'elle comme André de Fatou a habillé le pantalon, Mahmoud a dit que Fatou n'a qu'à s'enlever. C'est pas bon comme ça, l'habillement comme ça, c'est pas bon. Lui, il est venu crier Mahmoudou. Je ne sais pas comment. D'accord, calme-toi. Hein? Je vais voir Mamoudou même. Et c'est ça, c'est bon. Je vais lui donner feu vert. Quand sa jeune chose fait quelque chose, il doit préparer son. Et n'a qu'à se retirer de. Sinon, Bina Wallah, on va faire la guerre. Il ne doit pas. Normalement, il ne doit pas se mêler là-dedans. Ah ouais. Mais je vais lui parler. Moi, je vais au marché. Et Mamoudou, il est là-bas. Il est à la maison. Ah, d'accord, je vais lui voir pour le conseiller pour qu'il prenne son disposition. Hein? En tout cas, les... S'il n'est pas enlevé, arrêtez. Mon ami, je ne sais même pas comment lui dire maintenant. Vraiment. Je suis fatigué, mais de toute façon, je vais lui parler toujours. On dirait qu'il est un enfant. Hein? Tu vois? Il se mêle entre les enfants. C'est bon, ça? S'il n'est pas lui, s'il n'est pas... S'il n'est pas là aujourd'hui, c'est Mamoudou qui est là. Bon. Il doit laisser Mamoudou de faire ce qu'il veut. Parce qu'il fait, il veut tracer et organiser les choses. Bon. Hein? Moi, je vais aussi. C'est compris, hein? Tu as vu? Ni m'a de feeling, ok? Allez, n'aurons la même fois là. C'est ça. Il était ses voleurs pour le calcul. Et bien, tu as une demi-quête à qu'elle a dit. Et qui façon, non? Non, mais il fallait. Ici, il y a Minero. Il m'en fallait un volet, Odi. Ah, maman. Et voilà qu'on a fini de. Maman. Et le babou, nous, qu'on a tissé Bena. Tissé Bena, il faut encore faire. D'accord, maman. Mais moi, en tout cas, si c'est moi personnellement, moi, je trouve pas mal. Parce que. Non, attends un peu, maman. C'était devant toi. Chaque fois, je dis que je vais corriger les enfants. Papa crie. Au bel point. Il est canaka yotou. Il est dit numéro. Il canaka yotou. Il ne faut pas. Ça dit, j'évite que ce que j'ai évité, je ne veux pas que mon père fasse contre moi. Voilà. C'est ça que j'ai évité. Parce que malgré tout, elle est mon père. Et quand je vois le route qu'il fait, c'est pas bon. Je ne peux pas m'imposer jusqu'à un certain niveau. Adonekedi. Hein? Adonekedi. Donc c'est ça que je veux. Si je ne suis pas aux constructions, le jour que je viendrai peut-être, les enfants sauront que ce que mon frère disait que c'est la réalité. Mais comme vous dites comme ça. Pourquoi l'homme est-ce que pas de problème. Mais quand tu sais que l'homme est un homme. C'est ça que vous êtes d'accord? Ah, aïe, tu es un homme. Mais tu es un homme. D'accord. Tu sais que l'homme est un homme. Ok. Fatou, regarde-moi très bien. Est-ce que tu m'as vu? Hein? Ce que tu as fait ici hier, je ne peux plus savoir ça maintenant.
Tu as compris? Si Mamoudou dit il faut enlever le pantalon, tu dois enlever. Mamoudou, c'est ton frère. Et puis c'est le premier fils dans cette constitution-là. Après ton père, c'est lui. Si Mamoudou dit si oui, c'est oui. Si il dit non, c'est non. Mais maman, je n'ai rien fait. Et puis, si tu dis un mot, je te gifle. Non, pas de mal. Est-ce qu'il y a l'idée? Imbécile. Mounjani. Mounjani. Qu'est-ce qu'il a fait ici hier? Mamoudou dit qu'il n'a qu'à enlever le pantalon. Il m'a refusé ça. Il m'a n'a makouni. Hein? Il m'a n'a makouni. Est-ce que ça, c'est bon ça? Tellement qu'il y a un dame. Moi, c'est fou ce fois-là. Mais il n'y a rien. Mais alors, maman, le loup de Foladia. Et qui sont, maman, le commandement de l'air. Et qui sont, maman, le commandement de l'air. Mais avec qui y en a? Il y a des familles qui m'ont encore dit. Et qui est venu ici, Kalia? Regarde-moi ça. Il y a des familles qui m'ont dit. On va pas dire qu'elle est là-haut. Mais Manika, la sandale. Il va faire mes soucis au sourd. Voilà, il y en a encore dit. C'est ça. Mais avec qui y en a? C'est ça. Qu'elle a bobotara à serrer d'une là, comme Miss Limidenteka, à Bébra qui bon du là. Là. On y a eu l'eau pour l'amour. Ouf. Et qui t'en refait? Qui t'es devant moi? Regarde comment il passe. Naïo. Tu sais que tu crois que ici c'est le pagaille. Bébé. Oui. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Ça va, merci. Merci. Ça va à la maison? Ça va, oui. Bien. Mais qu'est-ce que tu as? Oui. On va où? Qu'est-ce que tu veux? On va à l'hôtel, non? Non, 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 Keta. Moi, je ne vais plus à l'hôtel. Pourquoi? Toi, tu sais que je suis une femme mariée. Toi aussi, tu es mariée. Tu sais que ton mari, il ne voyage plus. Il va au nulle part. Et là, qu'on a écrit tout, à l'hôtel, quand on va là-bas, on n'a pas de problème. Tu sais? Mais moi aussi, je sais qu'on n'a pas de problème. On fait tout ce qu'on veut à l'hôtel. Mais voilà. Quand même, il faut prendre une chambre dans le quartier. Ah, dis donc, dans le quartier, tu es une femme mariée, je suis un homme marié aussi. Quand on circule dans le quartier, c'est pas bon. Mais à l'hôtel, il n'y a pas de problème. L'esprit est posé là-bas. Tout ce que nous voulons, on va faire là-bas, toi aussi. Mimi, mon mari a voyagé depuis ce matin. Quoi? Mon mari a voyagé. Mais Mimi, vous voulez me fatiguer? Pourquoi tu ne pas me dire ça? On va aller passer la nuit là-bas aujourd'hui. Si tu veux, on va aller cartonner, chérie. Aujourd'hui, là, ça sera cool, hein? Là, là, aujourd'hui. Embrasse-moi, chérie. Tu sais que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes comme je t'aime? Chérie, je t'adore. Et Allah, embrasse-moi. Oui. C'est ça, hein? Mimi, Mimi, c'est ça. Quand elle dort, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on couche-toi. Je n'entends pas quelqu'un. Mimi, Mimi, c'est fini. Mimi, c'est qui? Dis donc, ouvre-moi la porte là. C'est qui? C'est qui? C'est moi, mon mari, ton mari. Non, c'est pas mon mari, ça. Hein? C'est pas mon mari. Moi, mon mari a voyagé. Comment c'est pas ton mari? Sors, maman. Mimi. Mais si tu ouvres mal la porte. C'est comme ça, les bandits de Conakry. Quel bandit? Attendez. Et quel bandit d'abord? Ouvre mal la porte, d'ailleurs. Mais, Mimi. Oui. Mais qu'est-ce que tu attends maintenant? Je dis, j'arrive. Hein? J'arrive. Mais dis donc, pardon, viens ouvrir la porte. Toi aussi, tu m'as fait peur. Comment? Tu étais tout ce temps-là. Depuis le matin, tu as quitté ici. Puis tu viens, les heures passées, non? Et les heures passées, mais c'est pour le toi, tu pleures. Moi je dormais comme ça, tu m'as dérangé comme ça, c'est pas bon. Faut dire que je suis en train de pleurer maintenant. Je m'as dormi? Pleurer, tu m'as dérangé. Hey, hey. Moi je dormais profondément comme ça. Mais attendez, c'est chez moi non? C'est chez toi. Je peux taper ma porte la nuit comme la journée. Ça je sais. Dis donc. Alors donne-moi le sac. Mais notre véhicule est tombé à Rampana à Tanene. C'est ça. Pourquoi tu n'as pas passé la nuit là-bas? Quel? Ça c'est qui ça? Attends. Ouais, pour moi ça fait non. Ça c'est qui ça? Maurice c'est mon frère. Non, quel frère? Mon grand frère. C'est
Ouais, ça c'est ton père. Attendez, viens là. Viens. Attendez, non, non. Tiens, tiens, tu es venu chercher ici. Tiens, si tu es venu chercher ici. Moi, tu vas le tuer. Tiens, je le tue. Tiens, je le tue. Tiens, je le tue. Laisse-toi. Laisse-toi. Toi, tu es comme ça, Mimi. Quand moi je quitte ici, tu es en train de prendre le panier. Venez dormir, c'est moi. Mon père, il a monté sa tête. Qui est ton fils? Mon père, c'est pas ma chère, ça. Mon père, c'est pas ma chère, ça. Voilà. Non, non. Viens m'encore lui. Baissez ton cœur. Comment baisser mon cœur? Là, il est. Mimi. Viens là. Ouais. Parlez. Parlez. Pourquoi tu es revenu ici? Il faut parler. Voilà, Sana. Non. Comment ça a duré? Ah, non. Regarde, il est minuit comme ça. Au sol, t'as qu'à vous dire. Et t'as tout son, mais là-dedans. Nous, là-dedans, 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 un père de famille jusqu'à minuit, tu n'as pas rentré. Hey, ça c'est pas bon. Alors, prends bon Allah Akbar. Pour l'amour de Dieu, pardonnez-moi. Pour l'amour de Dieu, pardonnez-moi. J'ai tort pour l'amour de Dieu. Pardonnez-moi. Là, il est quel est ton nom? Hein? Ton nom, il faut dire. Je m'appelle Keta. Non, non, non. 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 C'est ce que je vais te dire maintenant. Où est ta clé? Attends, c'est fini. Attends. Non, avec qui t'es paré là. Attends. Non, non, non. C'est fini. Attends, je reviens. Maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Je préfère. Pour remettre l'argent avant que je te donne la clé. Attendez, ici, il y a des choses. Oui. Je te propose des choses. Ah. Ici. Ah. Ta clé de voiture, ça est là. Avec ta boubou là. Là, la voiture est devenue pour moi. La ilaha illallah. Tu n'as pas oublié ça. Tu fais le deuxième. Voilà. Là où tu es comme ça, tu l'enlèves ça. Et tu enlèves ta clé là. Je te prends, attendez, tu te mets lui, je te prends maintenant ta main, je te fais permanent dans le quartier, prends des choses. Je suis sage pour ça. Comment, toi tu n'as pas sage. Je suis sage. Toi tu n'as pas sage. D'accord. Sage. D'accord. Maintenant laisse-moi te proposer quelque chose. Pour l'amour de Dieu, laisse-moi te proposer quelque chose. Pardon. Ne pleure pas. Parlez doucement, doucement. Pardon. Tu ne vas pas sortir ici. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Mais toi, il n'y a pas de problème. Tu vas prendre tes bagages et aller chez tes parents. C'est fini. Ce n'est pas ça. Elle a amené même sa valise chez moi. Comment tu vas te déménager chez moi? Attends. Mimi. Mori, pardonne-moi. Voilà l'argent. Ça, c'est combien ça? Il y a 2 millions ici. Oui. Voilà. Attendez. Ce que j'ai à te dire, si je te donne la clé de voiture tout de suite, là, que tu circules dans ça, on va connaître ce que j'ai fait pour l'amour de Dieu. Non, 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 tu ne veux pas les acheter. Attendez. Tu as donné l'argent. Oui. Ça, voilà. Voilà ta clé de voiture. Oui. C'est fini. Eh Allah. C'est fini. Eh maman. Attends, il faut sortir. Pardon. Il faut sortir. Attendez. Prends tes bagages. Quoi? Attendez. Mais fais vite. Baissez ton cœur. Fais vite. Baissez ton cœur. Il n'y a pas de problème. Baissez ton cœur. Je vais avec lui. Inch'Allah. Pardon. Si tu me dis ça. Tu n'aimes pas ça, hein? Pardon.
Il faut faire vite, tu quittes chez moi tout de suite. D'accord, ma chaussure quand même. Quelle chaussure? J'ai ma chaussure ici. Oui, ça y est. Ça y est là. Tiens ça. Sors. Il s'est arrêté. Pas. Non, non, non. Allez. Je dis quittez chez moi. L'imbécile. Quoi? Un vieux con comme toi. C'est pour cela que nous ne devons pas vous respecter sur un certain niveau. Un vieux con comme ça. Déjà, toi, tu fais des choses pareilles. Mon fils, pour l'amour de Dieu. Attends, attends. Sors. Attends. Sors. Attends, c'est que je veux te dire. Pour l'amour de Dieu. Que ça s'arrête ici, pardon. C'est ça qui est difficile. De... Pardon. Mais c'est ce qui est passé ici. Il faut que moi, je dis. Partout, ne pas partout, je passe. Ne fais pas ça. Il faut aller. Demain, je vais ajuster un million la dossier encore. Pardon, mon fils. Hey. Mon fils. Tu as un boubou ici. Demain matin, dès demain matin, quand je quitte à la mosquée, je vais porter ce boubou. Hey. Et je vais me promener dans la ville. C'est ça la vérité. Hey, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, pardon. Et puis quitte dans ma porte. Hein. Ne fais pas ça. Pardon. Ah, alors là, je suis foutu. Je suis foutu. Attendez, attends. Tu es foutu. Ta boubou est là. Et si tu ne me donnes pas ça demain matin, je vais porter la bouboule avec ta montre. Je me promène en ville. Ah ouais, je connais, c'est toi. Gardez ça seulement, mais je... Voilà, c'est pas toi qu'on t'appelle, Oumarou. C'est bien moi. Tu veux maintenant un million à quelle heure? À 10h. Hein? Surtout 10h, c'est trop. 10h, c'est trop. Ah, pour l'amour de Dieu. Hein? À 8h maintenant. Ah, voilà. 8h, quand tu viens, tu dis seulement oui à mon jeune frère. Ah ouais. C'est tout. D'accord. Hein? Ah ouais. Voilà. Surtout, ne porte pas avec. Ne porte pas avec. Et voilà. Regarde. Tu sors à 20h, tu rentres à 4h du matin. Attends. M. Keta. Attends, je vais appeler pour ça. Quoi ça là? Quoi ça là? Quoi ça? Non. Viens là. Eh Allah, non, viens seulement. Moudjani. Regarde-le. M. Keta vient de rentrer tout de suite. Hein? Voilà, voilà. Je ne sais pas si son boubou. C'est ça, c'est sûr. Je ne sais pas si tu es un boubou. Je ne sais pas. Il a frappé quelque part. Wallahi Allah. Quand on a vérifié ça, quand on a vérifié ça, wallahi, il a frappé Keta. C'est quelqu'un qui a frappé comme ça. Ah. Tu m'avais dit que tu viendras. Oui, d'accord, on se reprend à 20. Oui. Ça va? Dis-le. Hein? Comment ça va? Ça va, merci. Ça va bien. Ça va? Ça marche? Toi, tu es en train de téléphoner ton copine comme ça. C'est ça, mais c'est ça que je n'aime pas. Il va ramener rien. Mais moi, je t'y connais. Non, non, non. Ah, moi, je suis un grand musulman, je te dis, mon frère. Ça, c'est vrai? Hey, papa. Papa? Ah. Papa, il vient de sortir là. Il vient de sortir? Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as entendu quelque chose hier? Tu as pris quelque chose? Mais dis donc. Eh, si tu parles à moi, parlez très fort, je ne passe. Égalopi d'Aben, hein. Ouais, Mraye. Ok. Parle. Comment ils ont sauté la télévision? Est-ce qu'ils vont? Non, je n'ai rien entendu. Oh là là. C'est-à-dire qu'ils sont frappés, papa, hier. Votre père. Mon père. Ton père. Ils sont frappés hier. Ils sont frappés à cause de. Il y a une seule fille. Eh, écoute, si tu viens dire des choses par là, je n'aime pas à mentir, hein. Et puis, est-ce que c'est vrai ça? Ils sont retrouvés 2 millions. 2 millions. Oh non, Dieu. Mais dis donc, tu es au sérieux ou quoi? Ah, c'est ce que je dis. Ça, le mot paraît là pour ça. Je ne vous mens pas. Ça, c'est vrai. Avec son grand boubou, ils sont tous laissés là-bas. Ceux qu'il y avait hier là, ils sont laissés tout là-bas. En velours complet là. En velours complet là. Mais faut le conseiller, quoi. Merci. Bon, mon ami. On peut passer le soir, on va faire le thé. Le thé, hein? Ah oui. Laisse-le taper le verre. Ah, dis donc, je dis passe.
D'accord. Merci. Ok. Merci beaucoup. Passe le soir, hein. Ah, c'est la raison pour laquelle papa m'avait dit de lui donner 2 millions de chèques. Et puis, j'avais bien entendu le bimbir là, qui crie avec maman. Je croyais que maman, c'est le jalousie. Rita, oui. Où est ton boubou là? Quel boubou? Ton boubou, c'est quoi là? Boubou, le marron là. Le marron là. Ah, dis donc, c'est perdu. Je ne sais pas comment j'ai fait d'ailleurs. Vraiment. Perdu? Hein? Ah, Keta, tu pensais que tu es caché. Ah. Et tu es sur la lumière de 100 volts. Comment? Ah, mais tes habits, ce que tu as laissé avec les femmes là-bas, tout le monde est au courant aujourd'hui. Ah, là-bas, là. Là-bas. Mais tu sais. Ah, rien. Mais non. Eh bien, on t'a frappé. Mais attends, non, non, laisse-moi t'en parler. Qui t'a dit ça? Okay. Qui t'a dit ça? Tu pensais. Comment tu as su ça d'abord? Le quartier est au courant aujourd'hui qu'on t'a pris flagrant délit. Et puis tu as gaspillé l'argent. Laisse-moi tomber tout ça là. C'est dans la vie. Bon, si tu vois que je parle tout le temps, c'est pas un autre problème. C'est parce que quand il y a une femme qui n'a pas civilisé, tu es obligé de sortir ailleurs pour aller faire ça. Non, je t'ai dit, il faut changer le langage. Ok, ok. Il faut changer le langage. Ok, ok. Qu'est-ce que tu veux, venir? Il faut changer. C'est ce que j'ai à te dire. Il faut pas que... Ne t'énerve pas, mon ami. Laisse-moi tomber tout ça là. On va essayer de rentrer d'abord. Hein? On va rentrer. Mais il faut comprendre ce que je dis. Hein? Il faut comprendre ce que je dis. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant que je parle? C'est un cesse. Hein? Il faut me comprendre, c'est... Je t'ai... C'est ça ou bien tu ne changes pas? Ne t'énerve pas. Allons-y. Ça va? Qu'est-ce que tu voulais? Caro. J'adore Caro, puis tout le matin de oui. Demain, à quelle heure? Demain, à 14h. Non, ça sera le même. En tout cas, tout ce que tu voudras, ça y est. Il n'y a pas de problème. Tout. Merci, ouais. Merci beaucoup. Merci. Très gentil. Ouais. Et je compte sur toi. C'est bien connu. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Ok, merci. Ouais. Mémé, tu parles à qui comme ça? Attends, attends. Ah, monsieur Keta, tu sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Non, 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 ça va maintenant. Ah, tu sais que passer dans la maison là-bas entre toi et moi et ton mari, ça suffit maintenant. Mais est-ce que c'est ma faute? Ah, non, non, non. Non, ça va. Attends, attendez-moi mon ami. Je te dis que ça va maintenant. Quoi? Attends. Non, attends, ne dis pas ça. Non, je jure, c'était pas de ma faute. Moi, elle m'a dit qu'il allait voyager. Je ne savais pas qu'il allait se retourner à l'heure là. Tu me prends pour un maudit? Non, si tu me prends pour un maudit. Je ne peux pas te faire ça. Tu sais que je t'aime. Alors. Même si on rencontre maintenant, ne me dis pas bonjour et je ne te dis pas bonsoir. Tu me laisses cool. Moi, je te laisse cool. Et toi aussi. Ne fais pas ça, je t'en prie, ne me fais pas ça. Ne va pas, ne donne pas comme ça. Tu sais que je t'aime. Non, ça te... Non, non, non. Non. Mais écoute-moi, laisse-moi parler. Tu sais avec quel appareil je t'appelle comme ça? L'appareil que tu m'avais acheté. Ah, attends. Oro. Allô? 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 Que vais-je faire maintenant? Maman, vous aussi. Tu n'as pas trouvé? Je n'ai pas trouvé, maman. Je l'ai cherché partout. Maintenant, comment on va faire? Il faut qu'on l'amène à l'hôpital.
Tu sais conduire? Oui, je sais conduire, maman. On va aller à l'hôpital. Maman, viens, on va, on va. Oh, la plus moi, hein. Ah, papa. Eh, papa. Allez, plus moi. Non. Pas comme ça. Papa, papa. Nous sommes venus vous voir comme ça. Oui. Tu es informé que mon ami Oumar est décédé la nuit. Oui, oui. Quoi? Mon ami Oumar. Papa. Il est décédé la nuit. Oumar est décédé? Oui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dieu a voulu comme ça. Bon, comme on a déjà lavé le corps, tout est fini. Oui. Bon, nous sommes venus te voir maintenant. Oui. Donc vous allez prier sur lui à la morgue. Avant qu'on fasse le déplacement, on va et vient là. Ah. Parce qu'on prend le corps là-bas, on vient ici. On te prend ici, on envoie là-bas. Ça va te fatiguer. Comme là-bas, c'est plus proche le cimetière là-bas. On va prier là-bas en même temps. Mon frère, c'est vrai? Moi, je ne vais pas. Et... Je ne peux pas aller. Oh, allez, depuis que je suis imam ici, ouais. À la mosquée ici, je n'ai pas vu Omar un jour derrière moi. Mais l'imam dit, je ne vais pas aller. Dis-moi qu'il ne vient pas toujours. Non. Sinon, il vient tout de temps en temps. Non, il ne vient pas ici. Sinon, il prie à la maison tout moment. C'est mon ami. Oh. Hey, moi, Amrou, je te dis. Ton père, il prie, non? Ah oui. Papa, il vient. Ils vont dire ça à Karim. C'est ce que je te dis. Je ne mens pas, hein. C'est mal que ça. Non, j'ai pris la mort. Oui, Omar, mon ami Omar, il est décédé. Oui, Omar, il est décédé. Allah, Akbar. Allah. C'est ça on dit. Faut être croire en Dieu avant que la mort arrive. Maintenant, il est mort bêtement comme ça. Oui. Moi, je connais Oumar. Bon. Dans le quartier, comme ce qu'il fait. Le comportement qu'il a, c'est pas bon. C'est mauvais. Il monte, il descend, il monte, il descend. Il fait des choses, je connais dans la maison. Maintenant, voilà. La mort lui a surpris comme ça. Ça va vous. Laissez tomber tout ça. Si on parle tout ça aujourd'hui, c'est... Hein? Papa. Ouais. Pour remettre ça à vous. Ouais. Il n'est qu'à prier, imam.
Pardon, à cause de Dieu. On va aller prier sur mon père. Djambi. Pourquoi on va partir prier sur lui? Imam. Tu sais? Ouais. On va aller faire cela aujourd'hui. Oui. Demain, ouais. Tu vas prendre ta disposition. Oh, voilà. Parce que ouais. Cet argent-là, ouais. On n'a pas de peinture pour peinturer la mosquée. Il y a des, tu sais, il y a des travaux qui restent. Donc je vais, moi-même, je vais aller payer le peinture au marché. Je vais envoyer, je vais m'occuper de ça. L'argent là, haram. Haram. Eh, l'imam. Assafoula. Je ne peux pas prendre l'argent là. Je ne vais pas, je ne prends pas de l'argent. Si tu prends, tu vas voir. L'imam. Je ne vais pas. Ah, d'accord, tenez. L'argent là, tu ne prends pas. Tu prends prends votre argent. Ok. Maman dit que papa, pas, donc, moi je peux rien. Oh. Papa, rien. Allez-y. Je ne suis pas là. Bon, alors, allez-y. Il y a des gens là-bas. Ouais. Ils vont prier sur lui. Ah oh, bon. Hein? Allez-y. J'allais là-bas. Ok. Ouais. Papa, faut pas mourir. Hey, entrez. Ah, faut aller là-bas, hein. D'accord. Nous on connaît. Merci. On connaît Omar. Ok. Faut aller. Allez, bon. Abou, ce que tu es en train de faire ça, si vous n'avez pas fait attention, vraiment, je vais te licencier à la mosquée ici. Tu n'aimes pas ça? Hé, hey, Imam. Voilà. Non, tu sais, problème d'argent. Oui. Tu sais qu'on a beaucoup de travail à faire. C'est ça qui a fait que moi, j'ai dit qu'on n'a qu'à prendre l'argent. Faut pas faire comme ça. Ah bon? L'argent comme ça, là. Oui. Quand tu prends ça, tu vas à Jahannama.